très connue aussi, elle avait préparé des bouquins. Non, elle n'est pas venue, mais... Je suis venu souvent à Saint-Dié en tant que géographe et là pour la première fois je reviens comme écrivain, donc il y a toujours une ambiance très chaleureuse à la fois du grand public comme on dit, mais aussi beaucoup de géographes. C'est à la fois différent et tout de même relativement similaire, parce que différent dans le sens où là évidemment les gens me connaissent davantage comme Michel Bussy l'écrivain que le géographe, mais je dirais que pour moi je profite de cette occasion pour marier mes deux passions qui sont l'écriture et la géographie, et là je vais faire une conférence où on parlera des deux, et c'est vrai que je vois beaucoup passer de collègues géographes, de profs d'histoire géo, et c'est vrai que ça permet de mettre un petit peu le focus sur la dimension géographique de mes romans. Il n'y a vraiment qu'à Saint-Dié qu'on peut le faire. C'est vrai qu'il y a une touche géographique dans tous mes romans. Les lecteurs le remarquent souvent, mais c'est une des composantes parmi d'autres de mes romans. Et c'est vrai que là, à Saint-Dié, c'est vraiment l'occasion de discuter justement de ce qu'elle peut apporter la géographie dans un roman en général et dans les miens en particulier. Celui-là, il est bien.